compagnie de Divinity. On va faire des failles. Donc tout est bon dans le cochon. Ouais, tout est bon. Tu vas te calmer, testicouille. Pour essayer. Ah putain, elle est claire cette musique. Elle motive, quoi. C'est quand tu veux. Attends, je vais m'arrêter. Je prends mon café, il est fini de couler. Hein ? C'est l'avantage d'habiter dans une seule pièce. Tout est à portée de main. Tu veux une bière, Frédéric, je tends la main, j'ai une bière. Bah attends, moi je me mets de toute façon, je me mets à la porte d'entrée là, et j'arrive. Ok. Eh, c'est le niveau des vaches. C'est cool ça. On va essayer de la finir. On va voir combien de niveaux. C'est le level des vaches. C'est le level des vaches. Il y a peut-être 12 à 13 niveaux. Ouais, mais c'est quoi tout cet XP là? Ah, c'est les vaches. C'est un niveau très très rare. Mais comme par hasard, je commence le live et je l'ai direct. Si c'est pas beau ça. Voilà, il y avait une quête en fait, c'est une faille où il y a une quête dedans. Oh putain, il y avait de la glace. Parfait. T'as couru dans de la glace. Je sais pas par où c'est. En tout cas par là, il y a encore une élite. Il est 9h30. Un petit puits d'XP, ça fait, c'est bon ça. Ça fait du bien ça. Ça va, c'est des couloirs, hein. Tu peux pas trop se perdre. C'est ma première faille vache de la saison. Salut Nick Over. Oh putain, je vois pas à cause du verre clair. Nick Overé. Comment vas-tu? Les gens commencent à arriver, les amis. Puissance. Tu lootes ou pas?
Moi je loot une masse. Ils m'ont filé une masse, t'es. Je suis un DH, mais ils me filent des masses. Non, je PL pas, non. Là pour le moment, je suis en T1, donc. Je joue. Et dès que je viens de tomber sur la faille des vaches, on va essayer d'aller jusqu'au bout, voir combien d'étages. Attention! Ouh! Il fait réflexe du kill lapin malade. Encore un petit puits. Il va bientôt voir le roi des vaches. Bon, ça sera dans le prochain niveau. Oh oh. Seigneur des clarines. Non, oh, il m'aura donné qu'un seul légendaire. Bah, c'est pas grave, on continue. Un féticheur avec le. Cristaux de sang, il m'en reste 131 là. T'as... Ok, ok, moi je t'attends. Un féticheur avec le 7 Vumimasa, c'est du bon. Bah écoute, je suis pas trop féticheur. Mais je pense qu'avec le up et du fait que c'est un set complet maintenant, je pense que oui, je pense que c'est viable. Hein. De toute façon, maintenant, ils ont fait en sorte que tous les sets sont viables, mais après, bon, de toute façon, pour les five sup, après, il faut une compo bien spécifique, donc... pour les grosses five sup. Hop, un petit donut sur chocolat. Par ici. Merci. Bah ça fait 3 mois que je prends toujours mon petit déjeuner en stream. Oh putain, tu es un ancien. Ah ouais, pas mal. Non mais là tu es en ancienne. Merci pour le follow Nick. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Normalement, il y a des gobs dans ces niveaux-là, mais on n'en a pas encore eu. Oh putain, il y a un mortier là-bas. J'aimerais bien tuer d'abord l'élite avant de prendre le pilier pour pouvoir faire apparaître un autre élite. Merde, je l'ai crevé avant que...
suis bientôt plein de toute façon, donc je vais bientôt devoir faire un bac. De 7. Ah non. Bon, on va voir de la vache parce que c'est la plus longue faille. Une fois j'étais jusqu'au 13. Ah, je suis full. Bah, j'ai la voyageuse. Si j'en ai pas besoin, je te la donne. J'en viens. Attention, hein. Les vaches, ça pique. Ça peut être utile. Yes. Ce qui est bien, c'est que c'est la même stat. DH et moine, c'est la même stat. Ouais, ouais. Moi, j'ai eu deux. Tu vas te calmer, petit chien de malheur. Allez, hop. Il retourne. Bon, par contre, voyageur, t'as bien fait de me la donner parce que moi déjà elle me donne pas. Bah, le problème c'est qu'elle a pas de chasse. Ouais, et il faut mettre le CC dessus. Ouais, voilà. Donc, c'est soit tu l'as déjà avec le DCCCC, comme ça tu mets la chasse. Ou soit la chasse est DCC et tu mets la CC ou inversement. Puis voilà. Mais bon, elle tombe assez souvent donc ça va. Je l'ai assez souvent moi, la voyageuse. Attention les yeux. Un petit perf, faut faire attention. Peinture, 7. Ah, c'est la Blackthorn ou la Krelm. Il n'y en a que deux de ceinture verte. Mon petit père. Hein ? Et quoi par là ? Je crois qu'il n'y a rien, on fait tout le tour. On a fait tout le tour. Redescendez ça. Pas encore de gobe, putain. Oh, ah. Sans moi de là. C'était la bonne, le bon pilier. La fuite. Oh putain. Ils avaient mort, chier. Encore un puits. C'est rentable hein, cette faille. Même pour l'XP, je trouve. T'aurais pu me donner des idées. Elle est vendeur. Y'a un gob. Reste là. On a besoin de thunes. Voilà. Voilà, il m'a donné 6 millions. C'est bon, ça.
De la tutune. N'hésitez pas à mettre de la musique sur le live, il y a le son de WeQuest qui permet de mettre de la musique. N'hésitez pas à follow aussi, ça fait toujours plaisir. Merde, je clique sur le bureau que votre... Une épée de 7 ? Une épée de 7... Une épée de 7 ? Ouais. Là, sur le coup, je pourrais pas te dire ce que c'est, parce que là, j'ai un trou de mémoire. Moi aussi j'ai eu très très mal. C'est pas pardonné, tu vois. Mais du coup il m'a donné un lège. Salut Nos, comment on va? Je sais même pas si ça se prononce comme ça, mais sois la bienvenue. Ned, on est déjà au niveau 7. On va voir combien de niveaux l'on tue. Ah, une amulette. Une morveuse. Ah, la morveuse, elle peut être bien. Pour moi. C'est une des épées pour le set support. Bah oui, oui. Attention. Peut-être que c'est une épée que je connais pas, parce que là, pour... moi, celle de support, normalement, c'était celle qu'on craft, non? Non, mais c'est sûr, c'est celle-là. Bon, je verrai bien après. Je verrai bien. Je dirais, ah oui, mais celle-là, oui, oui! En fait, je vois pas ce que c'est. Encore un petit puits. Ah, c'est vachement rentable hein, cette faille. Surtout en T11. Attends, on va aller de l'autre côté peut-être. Il y a un coude. Un petit coude. Ah bah oui, on a bien fait d'aller par là déjà. Eh mais ils perdent pas de vie. Eh, pourquoi vous perdez pas de vie là? Ah bah dis donc, c'était plus des vaches. Non, en même temps je me mets au corps à corps et trois quarts du temps, si c'est chiant. Et hop, c'est bon. Je sais pas ce qu'elle veut elle là, mais... Demi-tour. Pierre de 7. Où il va me donner les... Il est moine et s'il y a de la chance, c'est soit la déliatrice, soit la fripouille. Ah mais oui, je vois très bien maintenant. Je vois très bien. Eh oui, tout à fait. Je les avais tout le temps, ça me saoulait en plus. La déliatrice ou la fripouille. Ou l'autre aussi, il y en a une autre encore là. Non mais c'est bien que je vois pas avoir les dégâts. D'accord, des bottes là-dedans. Ah bah ça arrive. Le pire, c'est quand tu retournes à un cadavre, quoi, que tu chopes un légendaire. Voilà, je peux te dire, hein, tu... T'es content. Et du coup, après, tu retournes tous les cadavres. Je le fais déjà. Mmh.
Faut que je fasse, faut que je les fasse les périls pour avoir la mascotte. Ah bah oui, si tu veux, on le fait après. Finis cette faille qui est très très longue. Je te la curde. Mais elle est rentable. Oh merde. Pas de pardon pour les faibles apparemment. Il y a un coffre là. Merde, un cul de sac. C'est full. Ah bah qu'est-ce qu'on les gens. Attends, on va jusqu'à la porte de fin de celui-ci. Voilà. Je retourne ville. N'hésitez pas à mettre de la musique avec le son de Week West, n'hésitez pas à follow les amis. Bah là, c'est ma première faille, j'ai lancé le stream, c'est ma première faille. Et faille, faille vache. Eh, hey, mais tu vas me laisser tranquille, testicouille, bordel de merde. Oh, il me saute dessus, ce con. Déjà que la nuit, il me casse les couilles à jouer avec mes pieds. Bah, je peux te dire, ça te réveille, hein. Parce qu'il met à moitié ses griffes. Ah, fait chier. Elle est moche, la morveuse. C'est pas terrible, je peux pas en tirer grand chose. Elle a un bon jet de DCC, 93, mais bon. Et un bon passif, réduit les effets affectant le contrôle de 30%. Mais le problème, c'est que je peux rien en tirer. Il aurait fallu qu'elle ait le CC ou la chasse. Bah, j'ai failli la fermer. Non, non, on retourne sur place. Hop, mon deuxième petit donuts au chocolat. Je vais prendre un petit chocolat, je m'en fous partout. Allez hop, on y va. Allez, maintenant il les casse les poux, hein. Ouais, je crois que quand même le taux de loot dans les objets que tu casses, il doit être très faible hein, quand même, parce que... Si c'est le même que sur les... Les mobs, c'est chaud quand même. Putain, j'ai cru que j'allais pas le prendre à temps. Je te voyais déjà mourir. J'allais dire mourir. Je te vois déjà mourir. On est déjà à la 10e. J'ai retourné juste une dalle, ouais. Et j'ai le légendaire. Il va retourner toutes les dalles maintenant. Aucun respect pour le sol, on va tout niquer. Non,
Ah bah il y aurait eu que 10 niveaux. C'est pas mon record. Mourir comme une merde. Bon, très rentable cette faille. Je sais pas s'ils ont up ou quoi, mais à peu près une dizaine de légendaires, pas mal d'XP. Surtout l'XP. Ça donne des gens bien pouilleux. En même temps, t'as trouvé ça devant dans le sol. Hein. Allez, dis-nous ce qu'il faut que tu fasses pour ton périple, j'allais dire ton challenge. BO Deg. Heure de clé au niveau 60. Étonnement. 4 sur. Deg se trouve dans l'acte 1. Donc tu dois faire tous les porteurs de clés. Et le roi squelette. Le roi squelette. Et une faille supérieure au niveau 20 en solo. Alors ça. Ça pour l'instant, c'est une idée et utile. Ouais, ça à la limite tu peux le faire au truc du canaille. C'est assez simple. T'as encore une pièce jaune ou t'as déjà tout cassé? Hein. Mais non. Mais non, quoi? Non, parce que... Attends. Hop, on a fini un petit déj. On peut que finir le café. Ah, on est obligé. Ah, d'accord, faut que je transforme un objet rare en objet légendaire. Ouais. Mais pour l'instant, de toute façon, on tente. Bah, tu peux le faire, c'est très rapide, hein. Ouais, donc. Et si t'en as pas, tu peux crafter un à la limite, hein. Des objets rares. Il faut mettre toutes les compos, donc les cristaux voilés, les poussières arcaniques et les pièces réutilisables, plus l'objet jaune. Donc, plus l'objet que tu veux transformer. N'hésitez pas à mettre de la musique, les amis, n'hésitez pas à follow, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à discuter aussi. Si je peux répondre à vos questions, je le ferai. Salut, Scrima. Et t'es là et tu dis pas bonjour. Faut que je regarde la liste des viewers pour que je vois qu'il y a des gens. Oulala. Oulala, c'est mal poli. T'arrives dans la pièce et tu dis même pas bonjour. Vas-y, je te banne. Non, je déconne. C'est bon, tu l'as fait? Non, non, mais j'ai pas d'objet jaune. Bah, crafts dans un, là. Crafts dans un 70, des bottes, des trucs, tu t'en fous. Tu peux craft un... Après tu prends toutes tes compos bleues, blanches et jaunes, donc les cristals voilés, les poussières arcaniques et les pièces réutilisables, et tu fous tout dans le cube. Merci pour le follow, non, ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu fais? Ah, il se cache derrière le con. Bon, j'ai déjà allé au porteur de clés puisque je sais qu'il doit les faire. Et alors? On va aller au fort à deux pierres. Je crie quand je l'ai. Je sais pas pourquoi je fais la quête, mais.
soyons fous. Du coup, il sera tout au bout. Je me sens gros comme une maison. Ouais, parce que ça met... Hein ? Transmutation. Faut peut-être des souffles de la mort, je sais plus, mais... Il me semble pas. Si, il faut les souffles de la mort. Il en faut 25. Après, il faut 50 de chaque compo, après. Enfin, tu mets tout, de toute façon, ça prend que le strict nécessaire. Hein, ça va pas tout utiliser. Hein. Tu prends tous tes souffles, toutes tes pièces arcaniques et tout ça, tu mets tout d'un coup, puis pouf. Il voulait pas me laisser passer. Il y avait la douane. Il y a un gob, viens vite. C'est bon, je peux déchaîner ma colère sur le gob. Yatta. L'amulette est un bouclier. Lol, bah t'as bien fait de venir. Avoir mis un bouclier. Je crois que pour sup, tu peux te mettre un bouclier. Alors les deux épées, il me semble. Ah oui, c'est vrai. Ah, il est là-haut. On voit la flèche violette. What? Ok. J'ai esquivé la boule et tu te l'es prise. Triste. Ah, il est tout au bout. Donc... Limite, on finit la quête, c'est bon, quoi. Ça aussi, on va pouvoir les faire les géants. Enfin, les Uber. Je pense que je peux gérer solo. Je sais pas, faudrait que je teste. Ils les disent. Le v'là. Heureusement que t'as up, je crois. T'aurais pas up, tu serais mort. Voilà, tu vois, il y a des machines là. Alors attends, vas-y, reviens en ville, je vais au prochain. Donc on a fait celui-là de l'acte 3, on va faire celui de l'acte 1. Oh putain, il est super. Hein? Quel celui-là? J'ai pas entendu ce que t'as dit. C'est lequel celui-là? De quoi c'est lequel? De Guardian Fray. Enfin de Guardian Eclipse. Hein. Bah c'est le. De toute façon, sur... quand t'appuies sur M, le. Tu le vois, il y a une petite clé à côté de la. Du portail. Et je suis à l'acte 1. Ah, je l'ai. Je le vois. De toute façon, on va tous les faire, donc on va tous te les valider au bout d'un moment. Je t'atteigne. Par contre, pour la faille solo au niveau 20, je vais pas trop t'aider. Non, non. Pour l'instant, autant te dire, je vais être bloqué. Donc. Hop, encore une machine. Hop. On me parle dans le jeu. On me parle.
Ah, j'ai eu le pantalon de Messeillon. Il est assez rare celui-là. Enfin. La dernière nouvelle, il est assez rare. Zut alors. T'as eu la Xéphirienne. L'amulette qui te protège des dégâts de foudre, si je te dis pas de bêtises. Ouais. Et qu'elle te soigne même si tu te prends des dégâts de foudre. Donc, l'acte 2. Acte 2. Oh, t'as lâché une pierre lourde, tu pues, toi, hein. Putain, mais il est obligé, quoi. Laisse-moi prendre mon petit déjeuner sans odeur, s'il te plaît. Mmh, oh, my dieu. Oh, punaise. Putain. Si je joue plus, c'est que je suis mort. J'ai... Salut QB. Alors les anciens tombent avec ces jolies stats, avec des jolies. Ouais, si on veut. Pour le moment ça va. J'ai quelques pièces en ancienne, hein, mais pour le moment c'est pas encore. What? T'as même pas touché le truc. Il m'a rushé. Voilà. Encore une porte. Sinon, comment vas-tu, Kiwi? Limite, après, on peut peut-être aller essayer de les faire, les portes. Puisqu'on en aura une de chaque, je pense. Et ça validera pour un futur. T'as beau ouvrir la fenêtre, c'est fermé. Tu sors plus. T'as voulu faire le con, aller chez les voisins, ben voilà, t'es puni maintenant. Ok. Pareil pour moi, je trouve rien. J'ai plus de compo. Voilà. Ah bah faut fermer si t'as plus de compo. Hein. Ça part super vite en plus. J'ai plus de compo pour la reforge et tout, toujours un peu d'arc ou quoi que ce soit en ancien. J'ai juste une contrainte avec 50 de DCC, CC, plus Dex et Chasse. Donc c'est mon seul item propre. Ah oui, bah là pour être propre, c'est super propre. Hein. Heureusement qu'il n'y a plus le... L'HDV, hein, sinon tu n'auras pu le vendre. J'ai. Il est à gauche là.
Ah ouais, viens chercher ta machine. C'est bon, tu l'as? Allez, retour. On m'a fait retour en ville, là. C'est bon, t'as les 4? Normalement, oui. Ouais. Ouais, c'est bon. Et après, les 4 sur... Faut juste tuer le roi squelette. Attends, on va aller faire les Uber là-bas. On va aller s'amuser un petit peu. Vas-y, prends tes 4 machines et va à l'acte 1. Donc là, tu vas là. Tac. Tu vas sur le portail du milieu, en haut, tu cliques sur le moins. Et après, tu vas dans l'acte 1 et tu vas dans, dans la ville. La ville, elle est où? La merde. Non, le en plein milieu, sérieux. Il y a une petite maison en plein milieu, je la vois même pas. Quoi. Ouais, tu crois que ça va être plus fort que toutes les classes? De quoi? Bah, y a QB qui dit que Blatty, il fait sorcier et apparemment ça a l'air d'être pété. Vas-y, viens. Ouais, ouais, non, mais c'est de la merde, Arconte, là, mes couilles. Vas-y, défonce la porte de petite maison, là. Et hop, rentre dedans. Complètement pourri, par contre. Et tu cliques droit sur les portes dans ton inventaire pour les ouvrir. T'as mis direct Diablo, tiens. Non, bah allez, on va commencer par celle-là. Le mec. Boum, allez. Je sais pas si je vais y arriver. Hein. En même temps, t'as mis la plus difficile. Je vois pas sa vie donc. Oh, oh. Elle a pas le droit de me frapper alors que je peux pas bouger. Tu peux faire ressusciter, non? Non, non, non. C'est un boss, tu peux pas. C'est bon, ça t'a validé un truc? Ouais. Dans âme. Et arme de pugilat. Et là, on a les compos pour faire les amulettes infernales. Pour la carte, tu fais un clic droit, tu dézooms pour t'éviter d'aller chercher sur le bon. Ah, ok. Alors on y retourne. User was moved to your channel. Attends, je mets les droits. Hop. Yo. Yo. Comment vas-tu? Ça va. Et toi? Ça va, ça va. Vas-y, ouvre la deuxième. Il n'est pas prêt. Thank you.
Et viens chercher tes compos. Alors quoi de neuf, Ludo? Oh, j'essaye de monter le pot tranquille. Ouais, c'est à lui en qui est encore pendant une semaine. Hein. Ah non, c'est 60 quand même, ça va. 60 depuis 20 ans. Bah t'es où? Ah ouais, ça. 8. Point d'ouvrir encore. Ouais, ouais, ouvre les 4. De toute façon, ça te valide un périple plus tard, pour plus tard, donc. T'inquiète pas, c'est pas perdu. Par contre, là, fais attention. Et on est en T11 et tu meurs pas du premier coup. Tu commences à résister. Pas mal, ça. Hop. Et tout ce qui fait tomber, lui. Allez, le dernier portail, après on va faire le roi squelette. Et après, avec les 4 compos, bah, tu peux crafter des amulettes infernales aux joailliers. Et les amulettes infernales, en fait, elles ont un passif aléatoire de ton personnage. Alors qu'en gros, au lieu d'avoir 4 passifs, t'en as 5. Donc ça, c'est pété quand même. Portail du regret, oh, le plus chiant. Oh. Mec McDonald qui va mettre son. Bah oui, c'est le roi squelette. Hein. Bah lui il en a donné que deux quoi, putain. Il est mort là. Donc du coup bah tu pourras faire que deux. Bonjour. Oui mais elles servent pas pour le moine cette saison. Ah oui, tu parles des amulettes infernales, oui, ça sert pas pour le moine, effectivement. Mais bon, il pourra en faire pour une autre classe s'il joue une autre classe quoi. De toute façon c'est. Le DH, je pense. Moi le DH il joue avec une amulette infernale. Où est-ce que je vais les stocker aussi? Oh là là. Voilà, donc maintenant on va faire le roi immortel. Pas si immortel que ça. Il faut pas le dire. De toute façon, quand je vais lancer le truc, tu auras la fenêtre. Ouvre les portes, putain. Elle veut pas ouvrir les portes, cette salope. Ah bah, il y a du monde devant. Je viens juste de le tuer, mais c'est pas grave. Viens, réveille-toi. Ferme, tu vas voir. Il va jump. Zéro dégâts incoming.
C'est qu'une question de temps. Non mais là les chats de l'eau que j'ai en plus sont tellement complètement pourris que j'ai même pas de chasse dessus. Ah mais les chasses tu les fais avec les cubes maintenant. Avec les consommables, les petits carrés verts. Mais bon, il faut avoir de la chance de loot après. Moi j'en ai eu 5 en 2 jours. Tu vas comprendre. Et je sens que j'en aurai plus avant un moment, tu vois. Fait... Bon bah voilà, j'ai fait ton... Il te reste plus que te faire ta 5-20. Ah, tu peux peut-être y arriver, ta 5-20, grâce à ton paragon, hein. Test. Non, je vais vexer encore un peu. Parce que la 20, c'est... La 20, c'est quoi? C'est juste du T4, hein. Y'a aucun stuff. Non, je vais regarder. N'hésitez pas à mettre de la musique les amis sur le stream avec le son de Wequest. N'hésitez pas à follow, ça fait plaisir. Alors attends. Inspecter. Bah mets des gemmes vertes dans ton torse déjà aussi. Mets les plus grosses gemmes vertes que tu peux. Non mais tout est sur moi. Mais t'en as pas chopé depuis? Je peux pas avec des gemmes. Et vertes. J'en ai 2 grosses et 27 petites. Mais comment ça, des petites... des marquises? Ouais. Bah c'est déjà ça, hein. Ça va te monter ta rubu déjà. Le premier... Façon, ouais, pour l'instant, je... Allez, on va repartir en face up. Non, j'ai pu faire 3, je peux faire seulement une royale. Bah, tu fais une royale, tu te la mets dessus. Allez, une 58, on va rigoler. Je vais pas y arriver. Oh, ça a l'air d'aller. Ah merde, je vais dedans aussi. Recule, recule. Et hop. Attends, je lis ta phrase après là parce que je suis un peu concentré avec la FFUP. J'aimerais ne pas mourir, tu vois. Qu'en FFUP, c'est chiant. Oh putain, il y a un mortier. Ça va? Alors enfin, mais tu es chiant celui-là. Si on ferme, il vient de dire que si on ferme, il vient, il lâche son stuff moine. Si tu veux. Ah, moi. Hein? Non mais... Après on ferme en T11 et tout le stuff qu'il chope, il te le file. Si tu veux. Ben, je gagnerai pas moins d'XP, hein. On tape. Mais je gagnerai pas moins de loot. Non, on fera le double. Dans tous les cas, t'es gagnant. Pas pour je sais pas qui...
J'ai pris 100 paragons aujourd'hui, mais j'ai rien droppé, je pense. Rien droppé, quand même. Ah, mais au final, le Shenron, là, il... pas rien. Le haut, le torse. Oh, là, je... De toute façon, grâce à cette fête, je crois que tu vas monter 200. On l'aura fini. Puissance. En même temps, c'est quand même de 58 que je fais. Je sais pas si tu te rends compte, mais. C'est assez énorme déjà. Ah, t'as glissé ? Ouais, tu viens de me chercher. Qui dorment pas et qui font des failles 95, c'est pareil. Bah t'es niveau combien Lissan? Parce que le mec il veut faire du T11 ou de la 55-60, mais moi je crois que s'il y a une troisième personne je vais commencer à galérer. Donc il faut au moins que tu fasses des dégâts, quoi, je veux dire. Donc, c'est pour ça. Moi je veux bien, ça me dérange pas, hein. On peut fermer. Par contre, il va falloir que tu ailles sur ton DH et chercher tes clés de fight, hein, parce que. Ouais, ouais. Sinon, tu n'auras pas assez. Et puis, tu commences déjà à monter tes jeux, de toute façon, là. Oui. Ouais, je monte. Ouais, je monte les principes. Et sinon, tu sais comment fonctionne le local des scènes ou pas après? En fait, le Caldesun, comment expliquer? C'est assez simple. En fait, tu remontes une gemme légendaire là, que tu chopes. Ouais. Tu la montes en level. Et grâce au cube, tu peux l'incorporer à un stuff. Et du coup, ça donne de la stat primaire. Donc de la dextérité. Et plus tu mets une gemme haute, plus tu auras de stat primaire dessus. Donc c'est vraiment la dernière sauce pour optimiser ton stuff, en fait. Pas avant, quoi. Ouais, il faut pas up une qui se bloque au niveau 50. Hein. Parce que t'as des gemmes qui peuvent pas monter plus de 50. Mais ça aussi, c'est limité, tu vois. Par exemple, tu peux faire une gemme, hein, par exemple niveau 100, et tu te la fous sur un stuff. Je crois que ça te donne dans les 300-400 de stats primaires. Donc c'est énorme. Moi j'ai pas trop exploité ça dans la saison dernière, enfin dans la saison 5, puisque la saison 6 je l'ai pas faite. Quelqu'un aurait une petite place pour moi, je débute la saison mais la flemme de tout refaire. Alors écoute, on a tous la flemme de tout refaire, je prends pas les gens qui ont la flemme et qui osent le dire en plus, je suis désolé. Moi j'avais la flemme de le refaire, j'ai pris sur moi, je l'ai fait. Franchement ça c'est la flamme incarnée, non, je suis pas trop pour. Pourquoi nous on a trimé pour après prendre des gens qu'on connaît peut-être même pas en plus? Excuse-moi mais... Non, tu vois. C'est trop facile sinon. Et en plus, vous avez, les trois quarts du temps, vous avez le culot de dire on a la flemme, quoi. Mais nous aussi, on a eu la flemme, sauf que pour certains, ils le disent pas, ils l'ont recommencé, ils ont dit bon allez, c'est une question d'une soirée, voire d'une journée, et puis après on n'en parle plus. Mais moi, je... Non. C'est pas... Ça, c'est bien un truc qui m'énerve dans Diablo. Moi généralement comme EPL c'est qu'on me propose, je me demande jamais. J'aime pas ça. Bah te faire PL. Et puis il y a des parties publiques surtout, oui, c'est ça qu'il a dit. Lissan a dit il y a des parties publiques, donc s'il y a des parties publiques, c'est qu'ils autorisent plus ou moins les mecs à PL, quoi.
Enfin, je sais pas. J'ai jamais compris pourquoi tu veux jouer à ce jeu si t'as la flemme déjà de remonter un perso. Aïe. Un qui me donne un peu de stuff là, après, à fin. Ah bah, tu auras 4-5 légendaires, je pense que. Alors, taper un peu, c'est cool. Hein. Taper. C'est survivre un peu aussi. Ouais, c'est surtout survivre qu'il faut que tu fasses. Ouais. Attention. Oh merde, c'est elle. Qu'est-ce qu'il y a, Ludo ? Ah mais toi tu veux carrément tout faire à l'ancienne. Moi, je comprends, hein, j'ai rien contre. Hein. Mais c'est pas là ce qui est le plus important du jeu, là, vraiment le. Oui, il fait quoi ? Il fait le mode histoire. Non, il fait pas le mode histoire, mais il veut pas se faire PL. Alors que je lui ai proposé, tu vois, c'est pas. Je crois que demain je mettrai No PL dans le titre du stream. J'aurai moins de viewers, mais je m'en fous. C'est bon, quoi. C'est logique, en plus, quoi. Ah, je crois que j'ai eu un truc qui t'aura forcément besoin. Je pense que je vais te le donner plutôt que je le garde. J'ai eu le in-gym. C'est un truc super rare. Ouais, je vais pas le dire, mais j'en ai rien à foutre. Voilà. Je peux pas comprendre. C'est ça, mais je connais. Wow. Moi, je monte petit à petit mes gemmes, hein. Une gemme, happy. Ouais, tu vois. Franchement, moi j'en ai pas besoin et je loot ça, quoi, c'est bizarre. Enfin, mais bon. Je pense pas faire moine cette saison. Je pense faire peut-être fétiche à la limite. Après. Comme à chaque saison. Regarde, toi non. T'es sérieux? Il est en Intel? Oh merde, moi je te le file pas, ça sert à rien, il est en Intel. Parce que c'est un truc que tu dois avoir sur toi et pas dans le cube en plus, donc. Ah, je suis chié. Ah, deg. Tu veux une cagoule? Ou un casque à pointe? Ah, je suis deg là. J'ai dit tiens, je vais pouvoir le passer, c'est pour lui servir s'il fait une classe support ou un truc du genre. Parce que c'est ce qu'il te faut. Mais... Dommage. Ok, je t'ajoute Lixan. Donc du coup t'as eu quoi toi? De quoi? T'as eu des bons trucs ou pas? Non. Gucci. Voilà, t'es 206, GG. Ouais. Paragon c'est cool. Bah ça te sert quand même à bien résister hein, le paragon. Bah écoute, on va aller en. Moi je sais pas si j'ai assez de dommages quand je joue avec toi. Bah, je pense qu'il faut taper du lourd quoi, mais. Attends, je vais chercher mes clés non? Sur mon DH. Ouais, va chercher tes clés. Tu les mets dans ton petit coffre. Bah, je sais pas, t'es paragon combien et t'as combien en. On attaque et t'as combien de. C'est quoi ta classe plutôt?
que... Attends, je vais dépenser mes... mes cristaux de sang dans les chaussures. J'ai tout le temps les mêmes. Putain, mais on double. Putain, sérieux, Zel. Ah, c'est déjà un peu plus calme que musique, parce que depuis tout à l'heure on avait du dubstep, là je commence à avoir une grosse tête. Là c'est une petite dame qui chante. Mais ça peut finir en dubstep, donc on peut parler trop vite. Donc vous serez sur YouTube, hein, les amis. En rediffusion. Ouh là là, quel suspense. Bon ben, Lixan, c'est quand tu veux après. Ah merde, le sans nom. Je l'appelle Lixan alors que c'est le sans nom en fait. J'arrive pas à lire avec... c'est jaune, mais genre jaune blanc. Et je viens de voir qu'en fait dans le jeu c'est le sans nom et quand je regarde bien sur le stream c'est le sans nom. Comme un con, je sais pas pourquoi je dis Lixan. C'était plus stylé, tu vois. Lisa. Ah ouais, c'est trop peu. Je pense que c'est beaucoup trop peu. Oui, j'ai un clavier mécanique, c'est pour ça que tu l'entends. Excusez. J'ai un rocket. Merde, comment il s'appelle celui-là? Bah, attends, je vais te dire ça. Rios MK Pro. Ouais, je sais, avec les pseudos, j'y arrive jamais. Ah, tu préfères faire des failles normales, sans nom? Bon, ouais, écoute, on y va. Peut-être des failles super après. Eh, montre-nous ce que tu sais faire, je te suis. Déjà, le mec, il est tout le temps au noir, je sais pas pourquoi. Il est déjà parti, hein. Si jamais... Oh ouais, putain. Ouais. Ah. Bah moi j'essaye de clean quand même un minimum pour dire que tu tombes pas comme ça. Hein, parce que... Il a l'air de faire mal, hein. À la limite, il a quoi, lui? Attends, je vais regarder son profil. Ah, il joue bizarrement, dis donc. J'ai pas vu ce genre de build depuis mai 98. À ce point-là. J'ai des Némésis, si tu veux. Je sais pas si t'avais mis les Némésis, le sans nom. Ah, t'as dans le bruit du clavier mécanique. Ah ok. Un one shot. Top du meilleur stuff en faisant des failles ou en faisant les colocons sur la carte là? Le stuff c'est vraiment aléatoire, hein. Genre tu retournes une dolle, t'as un stuff. Tu peux avoir un stuff ancien, tu sais, donc c'est vraiment Ah ok. Il les a aussi, mais c'est juste que ça a été tellement vite que j'ai même pas fait gaffe s'il les avait. On les a tous les trois, on sait jamais. Et si on clique tous les trois en même temps, il n'y a pas trois élites qui sortent. Putain, ça serait OP. Ou des jambières. Ah, les jambières de l'ombre. Bon, ça va, il pète des culs, le petit, là. Bonjour. À chaque fois, il me sort des trucs chelous. Bonjour, votre illustrimiste.
magnifiant, officiant, je sais pas quoi. Salut à toi, Egoïd. Sois la bienvenue. Ah, j'ai eu les patois. Il lui faut pas les patois, si je pense qu'il lui faut. Il te les faut ou pas les patois? Les brassards. Je pense pour la classe sup, je crois. Pas par le fil de sup. Je te les filerai. À part si sur un Intel, évidemment. Ah, mais moi, il me faut pas grand chose pour me faire rien sur 20 ans. Mais il va mourir, lui. Oh putain, tu l'as tué. T'es trop fort. Oh putain, j'arrive, il y a un verre qui tombe. Deux verres qui tombent. Ah, vas-y. Bon, vas-y, je te laisse faire, hein, je te suis. J'arrive, il n'y a rien qui est tombé. T'es arrivé une seconde trop tard. Que ça, je pense que c'est encore d'actualité. Si t'es pas sur la map, tu loot pas, sauf les coffres. Et le boss de fin. Tout le reste, tu loot pas. Même ça a l'air d'être pétard. Par contre. Ah bah c'est complet. C'est trop de la merde. J'ai horreur de ça, moi. Ça, c'est dur à jouer, enfin c'est dur. C'est complexe. Avec ton laser là. C'est bien minutieux et tout, mais après au niveau des timings. Mais une fois que t'as le timing, c'est bon. Bon dégâts avec ça, mais je trouve que c'est. T'as que un skill à faire. J'ai eu un Daibo. Je crois que j'ai eu le dragon volant, ce qu'il te faut. C'est n'importe quoi ce jeu. Ah bah ferme pas. Je vais marquer parce qu'il l'aura pas tout de suite sinon. Marque-le en groupe. Merde, je suis pas en groupe, vite. Ah. Il aurait eu largement le temps de fermer, je crois, mais. On peut se joindre. Je sais pas. Ça dépend si tu frappes ou si tu frappes pas. Moi je crois que c'est vraiment le dragon volant. Hein. Oh non, c'est l'équilibre. Oh putain, je l'ai en ancien. Tiens, cadeau. Merde, c'est pas toi. T'es où? Je suis en ville, moi. Mais t'es pas dans la même ville que nous, apparemment. Dépêche-toi sur nous parce que. Qu'est-ce qu'il me file lui? Ah, il file tout le stuff. Je vais te les donner. Tiens, prends. Il m'a filé ça. Et ça, c'est moi qui te l'offre. Very much. On peut se. Tu joues croisé. Oh là là. Ah, écoute, ça pourrait servir. T'es mouru? Tiens, t'en auras peut-être besoin pour une classe sup, je crois. T'en auras besoin. Maintenant. Salut tout le monde et les autres aussi, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ouh là là, il est chaud.
Il est chaud le sans nom. Si tu tournes autour, si tu tournes 100 fois autour de Kadala, elle te donne un super rare. Non, je déconne. Tout le monde va le faire après. Vas-y, j'arrive. Je te compte. Ok. J'ai des petits frises là. Je sais pas pourquoi. Mais elle va pas mourir cette libellule là. En même temps, c'est des élites. 4 joueurs. Hein. J'ai l'habitude de faire de la 55 de joueurs, voire solo, mais. 4 joueurs, c'est déjà autre chose. Ah merde, t'as voulu faire quelque chose. Bah normalement les liens tu peux les mettre, les liens de musique, je comprends pas. Désolé Nick, mais je comprends pas pourquoi ça a fait ça. En tout cas ça l'a quand même pris. Ça l'a mis quand même. Mec qui vient de se faire mute sur le stream. Parce qu'il a mis un lien de musique mais. Mais dis donc, ça tombe souvent ici. Hein. Est-ce que ma peau est pas vide? Attention à la fournaise. Je lag un peu là. Je sais pas pourquoi. Je me suis chopé. Ah, je me suis chopé la chaîne et après j'étais dans la fournaise quoi. Mais non. Ouais, t'es en plein dans la fournaise toi. Putain. Je me fais OS. Bah oui, bah t'es pas assez fort. Hein. C'est dommage. Je sais pas si c'est sur les serveurs ou sur lesquels on est qui font laguer comme ça, mais ça fait laguer à mort là. 46 MS. Ouais, non, mais je sais pas si c'est les. J'ai l'impression que c'est le jeu qui rame, je sais pas, c'est assez étrange. Oh, ils sont hébergés dans les serveurs, mais 46 MS c'est énorme. Ah, surtout pour nous. Attention, encore des fournaises. Oh putain. Lui, s'il vous touche, c'est, ça,
Vous mourrez quasi instantanément. Hein. Oh là. Non, vous êtes sérieux. J'ai voulu passer à travers le mur. Mais... La merde. Ouais, je peux plus monter mes gemmes. J'ai plus que 30%. J'essaye quand même. Et ça n'a pas marché. Et merde. Et j'ai eu deux morveuses. Retourne en ville. J'ai une morveuse en ancienne, quoi. Putain de merde. Et j'en ai une en dégâts de feu, putain. Mais lui aussi, il chope rien, tu vois, t'as vu? Bienvenue aux nouveaux arrivants sur le stream. N'hésitez pas à follow, n'hésitez pas à poser des questions aussi. Si vous avez des questions, je répondrai si je le peux. Bon, je ferme. Et bim. La petite danse de Kadala. Merde. Oh putain, il y a des kamikazes. Merde, je suis continué. On dirait que Divinity joue à Splinter Cell, tu sais, il reste contre les murs maintenant. Tu veux jouer quel spé, Ludo? Là, je suis sorcier. Non, mais quel spé, plusieurs spé possibles avec le sorcier. Carré. Tu vas jouer Arconte? Je pense, ouais. Ça m'a l'air sûr.
C'est chiant à jouer, mais ça fait mal. Bah, on va tester, on verra. C'est quoi cette petite musique là? Ça joue du pipeau. Ouais, ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Franchement, que je suis là, hein, parce que franchement. Non, parce que franchement. Voilà, on peut plus mourir, c'est con hein, vous l'aurez eu 5 secondes plus tôt, hein. Vous serez encore debout. C'est triste hein, comme quoi le jeu est mal fait. Faut se plaindre. Hein. Il faudrait qu'ils annoncent où sont tous les piliers directement dès que t'arrives sur la map. Quoi. Non, je dis que... Ça fait vraiment assister ça par contre. Ça rame aussi. Mais oui, bien sûr. Des excuses. T'es un moine en plus. C'est à toi d'anticiper les mouvements de ton ennemi. C'est tout, c'est comme ça. Fais appel à ton sixième sens. On l'aura fait assez vite celle-là, je trouve. C'est une bonne feuille en même temps. Personne qui tape pas, ça va. Ah, il est là. T'as pas peur, toi? Vous allez encore mourir juste à la fin. C'est pourquoi, mais je le sens. Non, regarde, je suis en train de le défoncer. Il va te défoncer, hein. Voilà. Papa. C'est... Putain, que deux lèches. C'est sérieux. Putain, je suis déjà plein. Oh, une manticure. Et la rose des vents. Je vais te la filer. Vas-y, je monte une autre gemme parce que là j'en ai marre d'être à 30%. Donc, les 4 gemmes qui pourraient être l'accablé, la fléau des accablés, celle-là peut être utilisée. Monter celle-là. Tata, tata, tata. Je sais pas c'est quoi comme musique, mais c'est rigolo. Tata, tata, tata. Tata, tata, tata. Je manquerai plus qu'elle soit ancienne là, rose des vents là. Oulala, je te dis, tu vas être bien moi. Eh, il y a le CC dessus. Par contre, elle est en force. Moi, je te la file parce que t'en as besoin. Tiens. Je l'ai pas. Mais merde, c'est qui l'a pris? C'est bon, tu l'as? Je crois que je l'avais déjà la manticore, mais je la garde quand même celle-là aussi. Je garde tout en fait. J'ai le syndrome de Diogène. Salut Warzing, comment vas-tu? Sois la bienvenue parmi nous.
Oh putain, il a... Ah oui, il a une... il est en acier, mais... Ah, l'acier aussi, il est en l'est en force. La rose des vents fonctionne avec la mulette, quoi. Les chaussures. Je demande des chaussures. Je veux des chaussures. Putain, mais t'es sérieux, les maraudeurs en ancien là. Je vais les garder, hein. Hein ? On remplace. Ben moi ça va tranquille, tranquille. On farm tranquillement. Moi je prends l'anneau parce que du coup j'aurais été en deck, j'avais juste à changer pour avoir le DCC. Pas pour avoir au moins la chasse quoi. Ouais, il faudrait au moins avoir la chasse que pour pouvoir mettre les trois bijoux quoi. T'as monté tes jeux? Parce qu'il y a quelqu'un qui a pas fait qui a pas monté aussi. C'est moi. Il est 11h et ça va faire ding ding ding. Faut attendre les cloches. Oh putain, j'ai pris un niveau. Bon, je prends encore quand même, hein, semblant de rien. Il est chaud lui. Oh là, il y a des gros sacs. Je suis 505. Et il est 11h. Vas-y, tu peux venir, tu peux pas mourir. Je pense que je vais refaire ma spé manticore. J'avais beaucoup plus de rebuts avec ma manticore. Donc je pourrais peut-être monter un peu plus dans les failles du coup. Mais je crois qu'il me faut la câbler de toute façon donc. Putain, il a oublié un élite, je vais devoir m'en occuper. Mais ils ont boubou. Il t'a déchiré. On est large là, on est très très large. N'hésitez pas à mettre de la musique sur le stream avec le son de request.
Logiquement, ça vous banne pas, mais tout à l'heure ça a banni quelqu'un, je sais pas pourquoi. Je suis déjà plein en custo. Ouais. Ah, j'ai eu le leg du mort. J'espère que il est en ancien. Ça serait cool. Protection, c'est bien pour eux. Et moi, me permet de rush. Bah oui, tu m'étonnes. Et level up, vu qu'on l'a eu dès le début. Dommage, c'est pourri. Mais je teste, tant pis. Faut pas s'amuser à tout garder, quoi. Je crois que j'ai toutes mes gemmes bien, donc c'est bon, là aussi. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Ben, pas grand-chose. T'aurais eu tout, Dina. Limite, je crois que t'as le stuff complet déjà. Quasi. Prendre de la lumière. N'hésitez pas à follow aussi, ça fait toujours plaisir les amis. Salut aux gens qui ne parlent pas, genre Joko, Jokos, Majoras. Et c'est tout je pense. Bienvenue à vous. Je fouine dans la liste des viewers pour voir qui est là. Oula. Après celle-là, j'irai me refaire un petit café rapidement. Ah bah, tu vois. Et la limite, c'est sa dernière. Ça me laissera le temps d'aller faire mon petit café. Il est nul ce moine, je te jure. Bon, d'accord, un double élite. Faut faire gaffe. On est très très bien, encore une fois. On peut dire on a de la chance au niveau des pylônes et tout ça. Il y en a encore un. Quoi, vraiment bien avancé quoi. Et c'est passé quoi là?
Allez, on switch. Jusqu'au level 300, ça va assez vite. Après le 300, ça commence à freiner un petit peu. Franchement, si toutes les failles étaient comme ça, avec autant de pylônes et tout, je cherche pas. On serait déjà les premiers à faire des failles 170, bim. Soit logiquement, avec les cales des sables, tu peux faire des sacrées failles après. Hein. Et puis après ton paragon 800, vu que t'as tout full, tu mets plus qu'en dextérité ou en vita. Vas-y, j'arrive. Et puis, je fais vite fait. Vous avez reçu un message. Ce serait bien de garder la bouclier jusqu'au boss là, parce que... Attention, on peut mourir. Ça a été rapide. What? Il m'est tombé sur la gueule le truc. je me lève. Je suis déjà mort. J'ai pas compris. Je crois qu'il y avait une avalanche là où j'étais. Franchement, il n'y avait pas grand chose là pour finir. J'ai une amulette de bâtard. Ouais, je prends tout. Ouais. Tes épaulettes en ancienne. Non, je vais me faire un café vite fait, j'arrive. Ouais. Ouais, ouais. Je reprends les chaussures. Putain. Que de la merdasse, de la grosse merdasse. Ouais, j'arrive.
Voilà, je suis là. Elle a fait une faille normale du coup. Mais tu rentres pas dedans toi? Des petits souffles, je veux des petits souffles. Normal là, c'est ça. Hein? C'est normal là, c'est ça. Ouais, ouais, voilà. Il a fait ça parce que sûrement qu'il a cru que j'allais mettre beaucoup de temps pour faire mon café, mais. Je suis déjà pareil, moi. T'as changé quoi sur les épaulettes? J'ai enlevé la régène par coup là. Ouais. Pour mettre du cooldown. Il est mort. Je l'ai vu, il est mort. Putain, tous les élites ont tué la minute, mais c'est inhumain. En même temps, on n'est pas des humains, on est des Nephalim. On est des Nephalim. Bouf, blague de merde. Hop, de petites clés, ça fait zizir. T'as combien en dégâts, Nico? Every day I'm Nephilim. Bon, je prends mon petit café. 488. Ouais, t'es paré pour le T6 quasi. Ouais, les monstres, oui, mais je pense que tu aurais un peu. Bah après, t'as les pourcentages de dégâts passifs, donc je sais pas ce que ça vaut le set du moine. De toute façon, il va te falloir l'anneau de grandeur royale, donc tu dois devoir farmer l'acte 1 des primes. Ouais,
les primes de l'acteur. De toute façon, il va te falloir faire des primes parce qu'il faudra te mettre les trucs dans le cube. T'as déjà mis le pantalon dans le cube? Pardon? Ah non, le haut de chausse truc là. Ouais. Non, non. Sans ça, vouloir t'embêter, c'est quoi le ce que t'es en train de faire actuellement et dans quel but? Bah, comme dans tous les jeux, tu dois essayer d'être le meilleur pour essayer d'aller dans des difficultés que tu n'arrives pas à atteindre à bas niveau. Donc actuellement, bah, il faut farmer des failles. Donc tu rentres là-dedans, ça s'appelle des failles normales et des failles supérieures. Donc les failles supérieures, c'est faut la terminer dans le temps imparti. Dans la faille normale, bah, il faut juste la finir jusqu'au boss et puis après tu peux partir ou continuer. Et essayer d'avoir de l'inventaire en ancien. Pour essayer d'aller encore plus. Donc il n'y a pas vraiment de but prédéfini, c'est vraiment de devenir le plus fort comme quasi dans tous les jeux. Je crois. Ouais. Comment je fais pour intégrer mon pantalon? Alors pour intégrer ton pantalon, donc en gros, tu vas dans le cube, si je dis pas de bêtises, c'est sa première recette. Donc il faut les runes de Candorienne, les ailes de papillon, la tapisserie, la chair d'ange, l'eau bénite et 5 souffles de la mort, plus l'objet. Tu sais, les compos là. Et le bonus qui est dessus là. Ouais. Ça. Bon, au pif après. Non, il sera automatiquement au maximum quand tu l'extrais. C'est toujours au maximum de la possibilité. Donc tu l'auras 100%. Bah ça c'est cool, surtout que bon, c'est un hack and slash, hein, Diablo c'est un hack and slash, donc c'est souvent la même chose, c'est vraiment du bashing de mobs, ça gicle de partout, c'est vraiment que ça pendant des heures et des heures. Après, il n'y a pas vraiment de technique vraiment à avoir, à part en faille supérieure, il faut une compo de personnages bien prédéfinie pour monter le plus haut possible, on peut pas aller tous avec la même classe malheureusement. Faut vraiment une bonne compo avec le stuff adéquat. Après, il y a plusieurs builds possibles par personnage, mais bon, généralement, les gens utilisent tous la même. Mais tout est viable. Depuis la saison 5, ils ont fait en sorte que tous les builds sont viables pour jouer normalement. C'était pas encore le cas. C'était pas encore le cas jusqu'à la saison 4. La saison 4, t'étais obligé de prendre les 7 qui donnaient. Ou sinon, tu faisais rien, tu pouvais même pas faire du T10. Là, j'ai extrait le pouvoir. Et maintenant, tu vas le chercher. Après, on joue en mode saison. Ce qu'il faut savoir au niveau de la saison, c'est que ça dure à peu près 3 mois, avec une interruption de 2 semaines à peu près pour chaque début de saison. La saison dure 3 mois et à chaque début de saison, on recommence le personnage. Donc c'est à peu près le but et c'est pour ça qu'on revient à chaque fois. S'il n'y aurait pas ça, au bout d'un moment, on s'ennuierait très vite, je pense. C'est bon, tu t'es mis le... Ah non, je sais pas. Bah, c'est celui-là du milieu, je pense, le pantalon. Ah ouais, d'accord. Bah, c'est pas une arme. En fait, c'est arme, armure, bijoux. Allez, on peut y aller, je crois. Merci pour le follow, en fait, c'est le Clarotique. Désolé. J'ai pas... Je le vois depuis tout à l'heure, j'ai oublié de te remercier. Allez, easy, moi je dis. Pour le boss mettre des meubles par terre, je sens. Qu'est-ce qu'il y a, Ludo? Je t'entends pas trop en fait. Je sais pas où il est ton micro, mais on t'entend pas fort. Ouais, je l'ai mis 20. Ah bah, il faudra mettre plus près. On peut pas comprendre ce que tu dis.
Mais en tout cas, si tu veux savoir autre chose, Clarotique, n'hésite pas, hein, je pourrais répondre. Après, on va dire, c'est vraiment un jeu chinois, quoi. Tu farmes ça pendant des heures. Il n'y a pas de... D'ailleurs, après, au bout d'un moment, tu fais même plus attention à ce que tu fais. Tu joues, tu fais les failles, tu parles limite du barbecue de la semaine dernière. Tu vois, ce que je veux dire, c'est pas... C'est... Une fois que tu sais jouer ta classe, tu sais où tu dois te positionner par rapport à telle ou telle chose, après... Donc là, on fait déjà de la faille 58. Il y a quelques saisons, de la faille 58, on ne la faisait pas aussi aisément, quoi. Ils ont simplifié le jeu. Hein ? Ils ont simplifié le jeu. C'est pas qu'ils simplifient le jeu, c'est que... à chaque saison, ils font en sorte que dans les failles supérieures, on puisse monter plus haut. Moi, je me souviens qu'à la saison 4, le mec qui était la plus haut, il était en 103 ou 105, un truc du genre. Donc je pense qu'en saison 6, ça a dû être 130, 140, à tout casser, je sais pas du tout, faudrait que j'aille voir le classement, et ainsi de suite. Donc cette saison, logiquement, on devra, les gros joueurs devraient atteindre les failles 160, tu vois, dans la logique des choses. À la fin de la saison, bien sûr, hein, ils ne sont pas encore. Mais je sais que là, ils font déjà des 80, tu vois, ils sont déjà dans les 80 plus. Comme je joue avant, à vous, souvent, ça arrive. Facile. Hein ? Avant, je jouais à vous, mais c'est facile. Ah bah oui, c'est sûr, c'est pas... Ah bah bien sûr, en groupe, en solo. En solo, c'est beaucoup moins... On monte beaucoup moins haut, c'est évident. Actuellement, ils sont déjà en 88. En groupe. En 15, c'est mix. 95, t'as vu? Bon, c'est déjà énorme. C'est des mecs qui jouent constant. Ils ont nerf les buffs de groupe. Ah, pour qu'on aille moins haut. Il y a son nom qui dit qu'ils ont nerf les buffs de groupe. Quel dommage. Quel dommage, quel dommage. Ben, en une dommage. Ça va, elle se fait aisément là. La 58-3. La 3 joueurs. La 58 2 joueurs, elle passait. La 58 à 3, ça passe aussi. Enfin, on va dire à 2 joueurs et demi, puisqu'il y en a un qui frappe pas. Pas encore. C'est qu'une question de temps. Ah oui, d'accord, ils ont évité les... Ok, ok, bye. Pardon. Merci. Et en même temps, c'est vrai que 3 supports et 1 DPS pour monter en faille sup, voilà quoi. T'étais, du coup, quasi les 3 quarts des joueurs refaisaient une classe support, quoi. Parce qu'ils étaient jamais pris, quoi. Ils étaient jamais pris. C'est bon, ça lag. Ah, il lag depuis tout à l'heure. C'est pas les serveurs en eux-mêmes, je sais pas ce que c'est. Mais c'est pas le ping serveur en tout cas. Parle pas, parce que j'arrive même plus. Ah lui par contre il lag pas. Ah bah il va pas laguer. Eh non, au moment où il meurt. Quoi. Eh c'était mes boules. Putain, il m'a piqué mes boules. Là, je t'ai paresse. Bon putain, ça va péter. Putain. Allez, next. Oh.
bah non. Ah merde. Ah oui, putain. J'ai eu un chapeau de sorcier, les amis. Ça fait toujours plaisir, ça. J'ai eu le chapeau d'Harry Potter, là. Tu fais pour pas être tout. Hop. 57. Ah, ça n'a pas passé. Tristesse 2 sur 3. Tristesse. Sinon les amis, il est déjà 11h30, donc je vais arrêter le live comme d'habitude. Je vous donne rendez-vous demain matin à la même heure, donc 9h30, 11h30 après, comme d'habitude. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi. Profitez du soleil pendant qu'il est encore là, parce que l'été ça va bientôt se terminer. Ah, GG et Fournette, j'en veux bien une si t'en veux pas. Allez, je vous dis à demain. Peace.